Madame la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, membre du directoire du RHDP, membre du bureau politique du RHDP, je dirais, membre fondatrice du RHDP, Madame la ministre Fondia Kamara. National et femme RHDP, coordonnatrice régionale.
associé du Sud Congo. Madame Ramata Koulibaly, conseillère de politique sociale et environnementale, coordonnatrice régionale associée. Madame Assoua Nourou, vice-présidente en charge du monde associatif et de la société civile. Madame Nina Touré, vice-présidente en charge de l'accueil et du protocole. Monsieur Kony Moussa Seyi, délégué départemental par intérim de la zone impériale. Madame Yelema, secrétaire chargée de la mobilisation. Madame Aïssatou Sissé Sey, conseillère municipale, présidente de la commission chargée de l'autorisation des femmes, le RGP. Vénérable guide religieux, je reconnais là l'ambassadeur de la paix, Imam Moussa Dramé, que je voudrais saluer chaleureusement et vous remercier. À sa suite, je voudrais saluer les représentants de la chefferie de Petit Paris et les remercier donc pour la bénédiction qu'ils apportent aux femmes par leur présence cet après-midi à nos côtés. Merci d'être là. Mesdames et messieurs les départementaux, les associés, les sous-préfectoraux, associés, mesdames et messieurs les professionnels, les médias, mesdames et messieurs. Madame la ministre, Tanda Camara, je voudrais vous dire la joie qui est la nôtre de vous accueillir ici à Grand-Bassam cet après-midi. Grand-Bassam qui est en réalité votre ville. Il n'y a donc pas besoin de faire une formalité de protocole pour vous accueillir chez vous. Vos parents, vos sœurs qui sont venues massivement, et je peux vous dire, Madame la ministre, que nous avons beaucoup de mal à contenir les femmes pour limiter le nom à 5 ans, tellement qu'elles voulaient vous rencontrer, vous entendre et s'entretenir avec vous. Donc j'aimerais que les femmes vous ovationnent pour vous faire la bienvenue. Madame la ministre, chère grande sœur, votre présence chez nous en Grand-Bassam nous offre l'occasion de vous remercier pour vos nombreuses actions de développement, vos actions au bénéfice de votre ville, dont la plus récente et la plus éclatante est certainement ce joyau, ce tout premier d'une série de lycées d'excellence avec l'internat dont vous avez bien voulu doter Grand-Bassam. Merci beaucoup, madame la ministre. Madame la ministre, votre visite intervient à un moment important du calendrier politique et électoral de notre pays. Nous percevons dans cette visite un encouragement à amplifier nos efforts pour enrôler le maximum d'électeurs avec une priorité pour les nouveaux majeurs. Parce que vos sœurs, les femmes de Grand-Bassam, ont bien compris, madame la ministre, que la présidentielle d'octobre 2020 se gagne aujourd'hui en enrôlant le maximum d'électeurs sur la liste. Nous partageons avec vous, madame la ministre, la conviction que le RHDP saura bénéficier de la confiance renouvelée des populations ivoiriennes. Cette conviction se fonde sur le fait que nous avons un candidat qui est facile à prendre aux populations du fait de son riche parcours professionnel et de ses grandes qualités humaines. Nous savons ici à Grand-Bassam, madame la ministre, que le futur se construit à partir du passé et du présent. Et le passé au parcours professionnel du ministre Amadou Bongo Dibadi, qui a été auprès du président de la République, l'auteur du processus d'émergence dans lequel nous nous trouvons. Tout d'abord, lorsque le président de la République occupait les fonctions de Premier ministre, Amadou Bongo Dibadi était un de ses plus proches collaborateurs et le président lui enseignait les secrets de la réussite. Plus tard, le Premier ministre Amadou Bongo a été secrétaire général de la présidence de la République et j'ai eu le privilège d'être un de ses collaborateurs. Et là encore, il a su montrer son engagement au service de son pays, son engagement pour le mieux-être de ses concitoyens. Ce sont les raisons pour lesquelles, madame la ministre, nous sommes convaincus que ce candidat ne sera pas difficile à prendre. Et le défi de taille, c'est vraiment d'envoyer le maximum d'électeurs pour que nous puissions concrétiser ce contrat de confiance avec le Premier ministre Amadou Bongo Dibadi en octobre prochain. Nous avons également conscience, madame la ministre, que vous avez eu écho de certaines dissensions qui avec vous à Grand-Bassam, au niveau des cadres, des hommes, au niveau des femmes. Je peux vous assurer, au nom des coordonnateurs régionaux associés qui sont sur la table de séance, au nom de l'ensemble des cadres et des responsables, que ce sont des choses aujourd'hui passées.
ici même, à l'ambassade, et a tenu une concertation avec l'ensemble des élus, des cadres et des responsables politiques de notre formation politique. Et je peux vous assurer que nous sommes aujourd'hui en ordre de bataille pour assurer la victoire d'Amadou Koulibaly. Au revoir. Nous devons compter sur notre engagement, sur notre soutien, mais surtout sur notre cohésion. Et nous avons la bénédiction de vous faire en ce sens. Cela vous a été indiqué. Elles se sont réunies à leur initiative à la mairie de l'ambassade hier. Elles ont passé plus de 2 heures ensemble et ont conclu leur réunion par un repas fraternel pour marquer l'unité retrouvée. Et j'ai confiance que l'ambassade témoignera son attachement au Premier ministre Amadou Koulibaly au moment venu. Merci beaucoup, madame. Votre présence, Madame la Ministre, ne fait que pour
l'intérêt que vous portez aux femmes RHDP des clubs à Salle. Aussi, voudrais-je vous assurer de notre détermination entière et notre entière disponibilité à vos côtés pour mener pour le flambeau RHDP pour la victoire au soir du 31 octobre 2020 de notre candidat, l'unique, son Excellence M. Amadou Bon Koulibaly, avec une victoire historique dans l'histoire du RHDP. Permettez-moi, Madame la Ministre, de vous dire qu'à Grand-Bassam, les femmes sont beaucoup des Amazones. Nous avons investi les rues, les villages, les quartiers et nous sommes encore serrés pour la victoire du 31 octobre 2020. Je ne saurais clore mes propos sans dire un grand merci à nos cadres et responsables qui ne ménagent aucun effort pour nous soutenir dans toutes nos actions. Soyez infiniment remerciés. Comme le dit l'adage, ce que femme veut, Dieu le veut. Et je voudrais vous assurer, Madame la Ministre, qu'à Grand-Bassam, Dieu veut la victoire de Koulibaly, parce que c'est ce que les femmes de Grand-Bassam veulent. Comme je le disais tantôt, nous sommes en rang serré. À Grand-Bassam, nous avons la volonté, nous avons cette cohésion qui fait de nous des complices, qui fait que dans le travail sur le terrain, il n'y a pas de dissension. Je voudrais sincèrement, au nom de toutes les présidentes, les représentants des comités de base ici, vous dire merci encore une fois pour votre attachement à la ville de Grand-Bassam et aux côtés des femmes de Grand-Bassam. Je vous remercie. Technique et aussi de la formation professionnelle.
notre péril national. C'est tout comme que j'ai connu depuis le ministère avec madame. Confie de Claudine. Donc je la connais déjà très longtemps. Elle ne sait pas, mais je le dis aujourd'hui officiellement. C'est une femme quand elle était jeune, elle était comme ça. Vous ne pouvez pas l'imaginer sur le pied. Elle voulait ce qu'elle savait ce qu'elle voulait. Elle a pensé que si et nous ne sommes pas étonnés qu'elle soit si haut. Parce qu'elle est aussi membre du directoire, d'abord, elle est membre fondateur du RHDP. Elle était dans la salle de la vie. Elle ne savait pas être autrement. Elle est donc membre du directoire de notre grand parti, le RHDP. Elle est aussi membre du conseil politique de ce même grand parti. Franchement, si aujourd'hui je devais détailler tout, madame, on a qu'à rester ici. Tellement notre péril national est lourde d'expérience et de tact aussi. Aujourd'hui, elle est là. Elle est là pour nous dire, mes sœurs, écoutez, soyons ensemble. L'objectif est grand et nous, les femmes, en rang de bataille, nous devons avancer. Je ne parle pas trop parce qu'elle va nous donner un message à nous donner. Mais on l'applaudit très fort parce qu'on a quelqu'un de sûr. Monsieur Jean-Louis Moulot, le maire de Grand Bassam, nous les femmes, nous avons millièrement de cette attention, je vais dire, très discrète. Bien sûr, il a pour les femmes. En tout cas, je l'ai pratiqué il n'y a pas longtemps, mais avec lui, je suis à l'aise. Parce que je vois qu'il y a quelqu'un qui admire les femmes et qui aime les femmes, qui milite et les femmes qui sont convaincues du devoir. En tout cas, je vous remercie. Monsieur le sénateur, Germain Moulot s'est excusé pour des raisons indépendantes. Je voudrais, monsieur le maire, vous le saluer au nom de toutes les femmes. Je représente ici, nous connaissons il y a longtemps, elle est une femme dynamique, l'intrépide présidente des femmes. Mais en fait, si on a une femme comme ça devant nous, on n'a plus peur. Il s'agit de madame Amy. Elle est aussi lourde comme femme. Vous voyez, les femmes sont lourdes, hein? Attention, hein, les hommes. C'est madame Odette Elie Agnero. Elle est conseillère politique. Elle est membre du conseil économique, social et environnemental. Et elle est coordonnateur associé du Sud Comoé. Et il y a beaucoup de titres. Donc elle utilise tout ça pour que les femmes soient à l'aise, pour que les femmes puissent s'organiser avec assurance. Je voudrais ici ne pas oublier, messieurs et madame les coordonnateurs, tous ceux qui sont là, et les associés coordonnateurs, les délégués et leurs associés. Enfin, mes braves femmes, mes vaillantes femmes de l'Union des femmes du RHDP, vous êtes là. Je vous salue chaleureusement. Votre maman Mélie est là. Nous sommes la suivez. Chers militants, je vois à gauche les jeunes filles, je vois les papas. Sont venus nous accompagner et chers sympathisants. En tout cas, je vous salue chaleureusement. C'est une affaire de femmes, mais vous êtes là pour nous aider. Et merci beaucoup.
Donc aujourd'hui, après ces civilités, Madame la ministre, nous qui sommes venus vous inviter, et donc je voulais tout simplement vous rassurer que le Sud-Comorais, les membres du Sud-Comorais, les dames sont implantés. Tout à l'heure, vous avez eu la présentation des départements TAL. Nous avons aussi les sous-préfectorales, les communales. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes là. Nous sommes implantés, c'est-à-dire tous les bureaux jusqu'au comité de base sont implantés. Et nous avons une phase, donc Madame la ministre nous fera donc l'adresse. Mais aujourd'hui, vous devez savoir que dans le sud Comorais, nous avons à Boisseau 64 secteurs. Passant, nous avons 26 secteurs, je dis pour le moment parce que le mouvement fait qu'elles arrivent toujours. À Diaké, 28 secteurs, et Tiakoum, 18 secteurs. Nous avons donc 146 secteurs, ce qui nous fait 1460 comités de base et au bas mot, 36 500 femmes implantées. Le président du directoire, le premier ministre Amadou Gom Koulibaly qui vous salue. Président de la République de Côte d'Ivoire. Bonjour. Oui, monsieur le Premier ministre, les femmes vous écoutent. Juste un bonjour. C'est pas le micro. Vous entendez, n'est-ce pas? Madame la ministre,
Une fois que la base est plantée, à mon avis, il est plus facile d'animer et d'organiser. Et les femmes de Bassam participent à cela beaucoup. Et elles ont compris le message de la cohésion. Mes chères sœurs, je voulais vous dire merci, mais aidez-moi à dire merci aussi à notre ministre de l'éducation, hein, notre maman, parce que ce qu'on dit, ça monte. Et disons aussi celle qui est tout près d'elle, c'est-à-dire notre maman et lui, Ayo, Odette. Je vous remercie. J'ai envie de dire à la PLA nationale, maman Kandia, faut partir à Abidjan, AGC à Kabyé, les femmes, AGC, 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 AGC. Sachez-vous aujourd'hui, l'acte que vous venez de poser, toutes les femmes de Grand Bassam vont bien dormir et nous avons entendu la voix du candidat, du futur président de la République de Côte d'Ivoire, parce que nous entendons trop de choses. Aujourd'hui, c'est le meilleur cadeau que vous avez pu faire au Parti communiste. Merci à la famille. C'est vrai que nous sommes en politique, mais les femmes ont une spécificité qui fait avancer au niveau de la politique. Elles sont très souvent regroupées en association. Et quand elles sont en association, elles sont mieux organisées. Madame la ministre ayant compris ça, la présidente nationale ayant compris ça, a nommé une vice-présidente chargée du monde associatif. Elle est avec nous aujourd'hui à Bassam, elle va nous donner quelques mots et galvaniser les femmes. Madame Assoa, aujourd'hui. Madame la ministre, merci et mesdames les coordinateurs de la région du Grand Bassam. Chères sœurs, je ne serai pas longue parce qu'aujourd'hui je constate que nous sommes dans un cadre purement politique. Mais je voudrais tout simplement dire merci à Madame la ministre parce qu'elle prend les femmes du RHDP à cœur. Une femme infatigable, une femme qui a tout donné pour le RHD. Et c'est l'occasion pour moi de lui dire merci. Aujourd'hui, je suis là en tant que vice-présidente du monde associatif. Au niveau national, nous avons Mme Touya Virginie qui est chargée du monde associatif. Pourquoi? Parce que Mme la ministre a compris que pour mieux travailler sur le terrain, il faut être chacun dans sa zone. Le côté associatif, nous avons des mamans dans les marchés. Elles sont plus assises avant de vendre, mais pourtant elles sont organisées. Au sein des marchés, nous avons des associations qui sont organisées et qui ne font pas réellement la politique parce qu'elles sont très occupées à vendre. Mais ces femmes, il faut bien qu'il y ait une branche qui puisse les toucher, les organiser, pour que quand le moment viendra, en plus déterminé à voter pour notre candidat. Mais pour ce faire, il faut bien qu'on soit organisé. C'est pourquoi au niveau de la région, les coordinateurs sont chargés de nous transmettre le nom d'une représentante régionale qui sera chargée du monde associatif au niveau de Bassam. Une fois qu'on a le nom, nous viendrons rencontrer cette dernière et nous allons les organiser. Quoi faire? Il faut d'abord les identifier au sein de Bassam. Identifier toutes les associations qui existent à Bassam, les recenser afin qu'on puisse les organiser en mettant à la tête une coordinatrice. La coordinatrice, elle n'est pas présidente de toutes les associations parce que chaque association est autonome. Chaque association est leader de son association. Chaque association dirige elle-même son association. Mais quand on met une coordinatrice,
C'est pourquoi, pour mieux être organisé, parce que je prends un exemple, nous venons à Bassam, je ne pourrais pas faire le porte à porte pour chercher à identifier et recenser les associations. Il faut bien que vous soyez organisé. Et quand Mme Troya Vigie nous envoie en mission, nous on s'adresse à la représentante qui a déjà identifié et recensé les associations, et elle a fait tout, les appels, et nous on vient de s'adresser à eux, et on les aide à mieux s'organiser dans les marchés, et partout où ils se trouvent comme association dans les quartiers. Chers sœurs, vous voyez pourquoi ce processus, c'est un processus qui va nous permettre d'étendre nos forces. C'est un processus qui va nous permettre d'identifier tout le monde. Mais ce qu'il ne faut pas faire, il faut aussi que je le dise, on ne peut pas être responsable départemental. Ça veut dire avoir une casquette politique affichée et puis être en même temps leader d'une association. Parce que si moi je viens des données, disons que j'ai recensé les associations et que Mme Emmy vient avec ses données, qu'elle a recensé les femmes politiques et qu'on se retrouve en même temps en association et en même temps en politique, ça force les données. Alors il faut qu'on soit sincère dans ce que nous faisons pour qu'on puisse être plus efficace. Je vous remercie. Madame la ministre, notre PD national, avant de continuer, je voudrais que vous nous permettiez de vous saluer notre maman Sarah Traoré, une doyenne d'âge qui est toujours à vos côtés. Elle est toujours présente, elle arrive à voir tout le monde. Les femmes, celles que je dois appeler, est-ce que je dois parler? Je ne dois pas parler. Applaudissez. C'est vrai, il y a les grands patrons. Chacun a son grand patron. C'est un organigramme. C'est la même que nous, notre présidente, qui nous représente. Je vais demander à papa Emmy, est-ce qu'il n'est pas fâché pour que son patron soit gros de mer? Aujourd'hui, c'est aujourd'hui.
on lui dit merci parce que elle ne veut pas être là. Mais elle a tout fait pour être là parce qu'elle aime les femmes. Les femmes de grande enfant parce qu'elle est chez elle. Donc, il n'est pas question que si on puisse pour qu'elle n'aime pas vous parler. La dernière fois, il y a eu des petits soucis. Et en tant que grande politicienne, elle a pesé de son poids. Elle a géré la situation. Et aujourd'hui, les femmes sont là, assises ensemble. Les sœurs, est-ce que vous voyez ce monsieur qui a porté son chapeau orange qui est assis là? Avec notre Ibrahim Makassar, ils étaient là. Notre papa Kamé, Niesi, tout le monde était là. Le problème est touché. Nous leur disons merci, 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 merci. Au même niveau d'information, et là il n'y a pas de problème.
Il n'y a pas de problème de leadership et tout le monde est organisé. Voilà comment nous sommes organisés. Quand la base est bien organisée, la base est implantée parce que nous sommes les racines du parti. Quand il y a un arbre, les racines sont parties, est-ce que l'arbre peut tomber? L'arbre ne peut pas tomber. Donc nous, quand tu construis une maison, que tu as ta fondation qui est bien faite, ton mur ne peut pas tomber. C'est ça, les femmes. Nous sommes les racines du parti, du RN, du parti qui est notre parti, notre grand parti, qui porte le nom du foyer, les enfants du foyer. Nous sommes les racines de ce parti-là. Nous avons mis notre bébé au monde, qui est le RIDP. Nous allons couver notre bébé jusqu'à ce que le bébé grandisse. Et que demain, quand on ne pourra plus tenir, quand on ne pourra plus marcher, que ce soit ce bébé-là qui nous nourrisse. C'est à cause de cela que nous nous battons. Cela est très important. Un parti politique, c'est très important. On ne joue pas avec un parti politique. Et surtout quand tu as un parti politique qui est créé par le président Alassane Ouattara. Et ses amis, on ne joue pas avec. Donc les sœurs, voilà comment nous sommes organisés. Les présidents de comités de base avec leurs membres s'organisent. Elles viennent. Elles sont 10 comités de base. Ça nous fait, voyez un peu, ça, si c'est, nous sommes 26, ça nous fait 250 personnes. Donc ça fait un secteur. Le secteur, elles sont aussi 10. Elles vont aller se retrouver dans les communes ou les départements. Parce qu'il y a la sous-préfecture aussi, dans la sous-préfecture aussi, il y a les comités de base, il y a des sections. Alors une fois qu'on est organisé comme ça, les réunions se tiennent. Section, ça se tient. Commune, ça se tient. Département, ça se tient. La régionale coordonne toutes ces femmes-là. Une fois qu'on est bien huilé, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de match. On gagnera les élections. Si elle n'est pas d'accord, si elle
parce que nous devons gagner. Mes sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et que vous fassiez ce qu'on vous demande, parce que cela est très important. On a, avec le président Alassane Ouattara, nous avons un deal. Nous devons faire le corps à corps. Nous devons honorer ce monsieur qui a beaucoup donné. Il a beaucoup donné pour la Côte d'Ivoire. Vous voyez, au niveau de Bassam, tout le monde vous jalouse. Vous voyez, au niveau de Bassam, tout le monde vous jalouse. Il vous a fait confiance. Il a tout mis à Bassam. Il attend de vous la confiance aussi. Donc, je ne vous demande pas pardon. Faites plaisir à notre président, le président Alassane. Mais tu es notre maman. Parce que ça dépend de ce que tu fais pour nous. C'est à cause de toi qu'on a le courage d'être dans le RIPP, de se battre dans la tête de l'histoire. On ne peut pas te laisser comme ça partir. Nous avons Bassam qui te fera un cadeau. Mais mes sœurs au moins qui sont venues au nom de nos sœurs. Madame la Père nationale, notre sœur, notre ministre, nous voulons te donner ceci. Parce que c'était la fin des mains, on n'a pas pu venir de saluer. C'est pas normal. Quand tu es notre maman, nous tous, nous te remontons ce petit cadeau, ce petit présent. On dirait que tu me diras le plan. Parce que le cadeau du bureau national, hein. Toutes les femmes. Madame la ministre, ma chérie, tu vois ça un peu. Tu as une maman, voilà. Tu donnes la tête à ta maman. Je suis plus.
bouleversement. Vous avez pu le constater. Qu'est-ce qui va la HEC? Thank you.
encore à notre mère Choco, notre présidente nationale, madame Ekou Oder. De la zone impériale qui a aussi des présents pour vous. Je
voudrais donc appeler le secrétaire de l'Ordre Saint-Séguin pour sa réponse. Madame la ministre, je reviens vous reprendre le tableau et le maître, mais je ne peux plus passer comme une lettre à la poste, puisque j'ai été interpellé par Dame Honneur Bantou, épouse du palais Sérida. Parce que dans notre tradition de coutume, les poneys sont les meilleurs, les poneys sont les nobles et les travailleurs sont nos sujets. La situation occidentale a tout gâté. Je pense que nos guides religieux et traditionnels sont là pour confirmer hors du groupe ce que je vais dire. Madame, tout est dit. Mais nous sommes sentis dans l'obligation de vous faire un cadeau au nom de ces charmantes, belles, joyeuses, esplendantes. Vous avez rien.
vous avez peu d'engagement et vous êtes un client essentiel dans le dispositif de l'État et du parti. Merci de nous continuer à nous avoir. Je voudrais donc sur ces mots vous dire vraiment merci d'être venu nous rassurer avec la communication du Premier ministre et de son Comoué, notre inspirateur, l'homme loyal, guidé, le ministre, docteur Akaraolé, travaille pour la nation. Le travail de ce Comoué, et nous pouvons vous garantir qu'au 31 octobre 2020, nous ne parlons pas en l'air, le 31 octobre 2020, nous allons fêter la victoire de notre candidat Amadou Koulibaly. Je vous remercie. Keita. D'être à ce pupitre, je voudrais demander à tous les présidents départementaux de loger.